Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Filou et son potager. Je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo a été prise il y a quelques jours, là il fait pas très beau, je vais en profiter pour la monter. Donc c'est une vidéo importante pour moi cette année, car cette année, contrairement aux autres années, j'ai monté une structure potager qui sera réutilisable chaque année. Tout ça sans marteau et sans outils. Cette structure servira à tutorer tous les légumes grimpants, comme la tomate, poivron, aubergine, cornichon ou autre. Cette année, je vais essayer aussi de tutorer les butternuts. Donc j'ai conçu cette structure comme un Lego, facile à monter, facile à démonter. En fin de vidéo, si vous l'appréciez, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu. Et aussi, vous pouvez cliquer sur s'abonner pour avoir les dernières vidéos que je diffuse. Allez, c'est parti! Alors pour vous expliquer ça, je vais prendre une vue de haut du potager, où il y a mes 4 planches principales. Alors il y a la planche 1, où dessus il y aura 2 rangées de 10 pieds de tomates. Ensuite, il y aura la planche numéro 2, pareil, il y aura 2 rangées de 10 pieds de tomates. La planche numéro 3, où il y aura une rangée de 10 pieds de tomates et une rangée de mix. Il y aura dessus de l'aubergine, du poivron, des cornichons et des butternuts. Et la dernière planche, la planche numéro 4, où dessus ma structure ne portera pas dessus, parce que je n'ai pas besoin. Il y aura seulement des courgettes et des aubergines. Alors la structure que je vais monter, elle servira seulement pour la planche 1, la planche 2, la planche 3, car sur la planche 4, il y a des courgettes, je n'en ai donc pas besoin. Alors il y a pas mal de façons pour tutorer les tomates, soit on prend des piquets, ou tiges en métal, ou soit on peut tutorer avec des ficelles, ou ne pas tutorer ses tomates. Alors ne pas tutorer ses tomates, ça devient vite le bazar. Au potager, je mets environ 70 pieds de tomates, donc pour moi les piquets, c'est fini. Surtout que les piquets que je prenais, même s'ils sont traités, ils poussent avec le temps. L'année dernière, j'avais commencé dans la serre déjà à tutorer avec des ficelles. Je trouvais ça très facile et très rapide. Car quand on met des piquets, il faut déjà les planter. En fin de saison, il faut aussi les redéplanter. Et tout le long de la saison, il faut accrocher des petits bouts de ficelle en haut, en bas, à droite, à gauche. Et bien sûr, en fin de saison, tout renver les nœuds. Alors pour moi, cette année, je vais mettre environ 100% de mes tomates sur les ficelles. Et je ne vais pas renier encore les piquets, ils me serviront pour d'autres choses. C'est pour cela que je trouve que la méthode que d'accrocher ses tomates avec une ficelle centrale tout le long est la plus simple et la plus facile. La plupart des maraîchers font comme cela, il y a bien une raison. Et donc pour accrocher cette ficelle au potager en extérieur, j'ai dû monter une structure comme une serre mais sans les plaques. Cette structure sera facilement démontable et remontable, comme ça le bois ne sera pas dehors l'hiver et ne pourrira pas, même si le bois est traité. Donc cette structure devait durer quelques années je pense. Alors cette structure est composée de 9 poteaux, 3 barres transversales et 6 barres perpendiculaires aux barres transversales. Cela permettra de soutenir toutes mes tomates, poivrons et autres. En hauteur, cette structure mesure à peu près 2,10 m pour que je puisse passer en dessous. Alors pour fixer mes 9 poteaux principaux, j'ai dû utiliser des embases à enterrer, j'en ai pris 9. C'est les mêmes que j'ai utilisé pour faire la serre. Je trouve ça très pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'on a une terre très caillouteuse, c'est pas évident du tout. Pour éviter d'abîmer ces embases, il faut mettre un bout de bois entre votre marteau et votre embase, ça évitera de tordre les bords. Alors après, il suffit juste d'emboîter les poteaux dans les embases, et surtout de ne pas mettre de vis, comme ça, ça permettra de les enlever facilement en fin de saison. Maintenant, si on remonte le long du poteau principal, on va voir des petits bouts d'équerre que j'ai mis, c'est pour rallonger le poteau, car le poteau initial était pas assez haut, donc j'ai dû rajouter un petit bout en plus pour monter un peu plus haut ma structure. Après, on arrive sur les barres transversales, que j'ai tout bêtement percées, et pour fixer, je l'ai juste emboîté dans une vis, que j'ai coupé la tête que j'ai mis en fait sur le poteau principal. Comme cela, c'est facilement montable et démontable. Et pour les 6 autres barres qui sont perpendiculaires aux barres transversales, j'ai fait le même système. Un trou dans la barre, une vis que j'ai mise dans la barre transversale et j'ai coupé la tête. C'est tout simple et efficace. Alors quand on prépare sa structure, il est très important d'aligner donc ces 6 barres qui sont en haut
avec notre culture qui est en dessous. Et pour aligner la culture qui est en dessous, forcément, il faudra remettre sa ligne d'arrosage en premier. Ligne d'arrosage, plantation, et la ficelle partira de la barre du haut et ira à la tomate qui est en bas. Là, sur la vidéo, j'avais mis une tomate au début parce que les cernes glaces ne sont pas passées, mais la météo a dit qu'on pouvait quand même planter. Il faisait quand même 9 degrés le matin. Donc, j'ai mis quelques pieds de tomate actuellement pour visualiser l'ensemble. Là, à l'image, on voit que j'ai 3 planches de sculpture qui sont prêtes. Il y en a 2 que j'ai bâchées. C'est un test cette année. Et la troisième, je n'ai pas bâché. Je vais juste pailler dessus. Alors, cette structure pourra normalement supporter 60 pieds de légumes. J'ai juste un petit doute, c'est sur les grandes barres, je ne sais pas si elles seront assez costauds. Donc normalement oui, mais s'il y a un problème, je ferai peut-être un petit renfort. Cette structure aussi cette année, de mettre un voile d'ombrage qui va casser le soleil à 20%. Je pense que cela n'empêchera pas aux légumes de mûrir. Au contraire, je pense que ça va les protéger du soleil qui est très très agressif. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ligne d'arrosage. Donc j'ai mis tout bêtement un tuyau percé tous les 33 cm. Donc les pieds de légumes, je pourrais les mettre tous les 33, 66, 99 et ainsi de suite centimètres, voilà. Donc je vais pas vous mentir, cette année j'ai pris un petit peu de temps pour fabriquer cette structure. Je vais en gagner, c'est au démontage, au remontage l'année prochaine, je vais gagner beaucoup de temps. Je vous ferai peut-être une vidéo en accéléré ou pas, en fin de saison, pour montrer à quel point c'est rapide de la démonter. Tout ça sans marteau, sans outils. C'est ma 4e année au potager et j'ai vraiment fait cette structure, c'est pour gagner du temps, toujours au mois de mai. Nous arrivons bientôt après la sainte glace et le boulot va commencer à arriver. J'ai vraiment hâte de commencer à faire les repiquages des tomates et tout le reste. Je vous referai une vidéo toute courte quand tout sera fini. Alors j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour vous montrer ma vision du potager. Je voudrais vous remercier de vous être abonné à cette chaîne. Mais YouTube a ses limites, c'est donc pourquoi j'ai ouvert un compte Facebook pour créer un feed d'actualité en relation avec cette chaîne. Je pourrais mettre plus facilement de news tous les jours. Je vous donne le lien de ce mur Facebook, vous pouvez aussi vous abonner, ou non, comme vous voulez. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai dès que possible. Allez, à bientôt, bye bye.